Bonsoir tout le monde, partagez le direct. S'il vous plaît, j'ai une question pour tout le monde. Quels sont les pays africains qui impriment eux-mêmes leur monnaie? Quels sont les pays africains qui impriment leur monnaie? Les pays africains qui impriment leur monnaie. Parce qu'il faut savoir pourquoi on maintient les pays africains le discours que les gens racontent. C'est bien le discours. Moi, j'adore les faits. Ne voyez pas un leader qui va s'asseoir. Ne voyez pas un leader qui va s'asseoir, qui va faire des déclarations, des discours, mais les faits. L'Afrique a plus de 50 pays. Combien de pays africains impriment leur monnaie? Lorsque tu imprimes ta monnaie, c'est ça qu'on appelle la souveraineté. Combien de pays impriment leur monnaie? Et je vais vous dire, moi, je suis là pour vous informer. La lumière, je repousse un peu là devant. Chérie, je repousse un peu, il ne faut pas que tu sortes. Et moi, je vais vous dire les pays. Et moi, je vais vous dire les pays africains qui ont leur monnaie, les pays africains qui impriment leur monnaie, et les pays africains qui n'impriment pas leur monnaie, et les pays et les entreprises qui impriment les monnaies des pays africains. Parce que pour que le terrorisme finisse, il faut savoir qui finance le terrorisme. En Syrie et en Irak, les terroristes étaient payés en dollars. Donc on imprimait les dollars américains, on distribuait aux terroristes, on leur dit allez faire la guerre. Vous pensez que si le terrorisme paye 800 dollars et que l'État qu'on m'envoie faire la guerre paye 100 dollars le mois, et que le groupe djihadiste me paye, et que le groupe djihadiste me paye 800 dollars, donc je vais aller bagarrer pour le pays, tu vas aller automatiquement vers le groupe terroriste qui te paye 800 dollars, l'État te paye 100 dollars. C'est ça qui s'est passé en Irak, en Syrie. Maintenant, revenons en Afrique. On dit on combat le terrorisme. C'est bien beau. Mais comment vous allez combattre le terrorisme? Les terroristes sont financés à hauteur dépasser le salaire que vous, État, vous versez à vos cadres. Maintenant, moi je suis là pour vous informer. Mon travail. Les gens ne seront pas contents, mais je suis désolé, je suis obligé de faire ça. Je veux d'abord Catherine Kenembeni, le Nigeria imprime sa monnaie, l'Égypte imprime sa monnaie. Le Nigeria imprime sa monnaie, l'Égypte imprime sa monnaie, le Maroc imprime sa monnaie, ça fait 3. Il y en a encore. Il y en a encore.
Bon. Je vais. Ouais, je vais vous donner tout. Le Ghana imprime sa monnaie. Égypte, Maroc, Ghana. Il y a encore. Il y a encore. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, c'est très important. Nous sommes obligés de parler de ces sujets parce que on se rend compte qu'il y a trop du, il y a trop du charlatanisme là-dedans. Où on trompe les Africains à longueur de journée. Vingt-deux pays africains qui importent leur monnaie d'Angleterre et d'Allemagne. Je veux que vous écoutiez bien ce que je suis en train de vous dire. En Afrique, il y a 22 pays qui font imprimer leur monnaie en Allemagne et en Angleterre. 22 pays. Écoutez donc maintenant ce que les informations nous disent. Plusieurs décennies après leur indépendance. Donc ne suivez pas les discours. Les discours c'est une chose. Mais dans les faits, plusieurs décennies après leur indépendance, la Guinée-Conakry, l'Éthiopie, le Rwanda et 14 autres pays africains continuent à faire imprimer leurs billets de banque au Royaume-Uni. Tandis que d'autres ont recours à l'Allemagne. Toutefois, les populations de ces pays ignorent dans leur immense majorité le fait que leur monnaie soit fabriquée à l'étranger. Contrairement à celle des pays de la zone franc CFA, bien mieux informés en la matière, 17 pays africains importent leur monnaie du Royaume-Uni. Je vous ai dit en haut, 22 importent leur argent. Dans les 22, il y a 17 qui impriment leur monnaie au Royaume-Uni.
selon les données disponibles, compte tenu d'un certain manque de communication dans ce domaine, ainsi bien de la part des États que des fabricants, 17 pays africains répertoriés comme faisant imprimer leurs billets de banque au Royaume-Uni, et plus précisément en Angleterre, par ordre alphabétique. Il s'agit des pays suivants: Angola, Botswana, 2, Cap-Vert, 3, Éthiopie, 4, Gambie, 5, Guinée-Conakry, 6. Le Lesotho, 7. La Libye de Muammar Kadhafi. Eh oui, la Libye de Muammar Kadhafi. Il faut bien comprendre. 8. Le Malawi. 9. L'île Maurice. 10. Le Mozambique. 11. L'Ouganda. 12. Le Rwanda. 13. Sao Tome et Principe. 14. Les Seychelles. 15. La Sierra Leone. 16. La Tanzanie. 17. Et vous allez vous poser la question: si des gens vous ont colonisé, c'est le feu de paille. C'est le feu de paille, mon ami. Mon ami, Baril, c'est le feu de paille. Quand tu entends les Africains bavarder, le Rwanda, machin, c'est le feu de paille. Nous, on vous a dit le Rwanda. C'est un pays qui est là en Afrique avec une mission qui est claire. Écoutez, c'est pas fini. Pas fini. Ces pays ont tous pour point commun d'importer leur monnaie de la société britannique de la rue. Donc l'entreprise qui imprime la monnaie de tous ces pays s'appelle la société britannique de la rue. Qui fabrique également la majeure partie de celle du Royaume-Uni. C'est la même entreprise qui fabrique la monnaie de l'Angleterre. Et qui est un des leaders mondiaux en la matière. Ils se répartissent principalement entre anciennes colonies britanniques, portugaises, auxquelles s'ajoutent la Guinée, le Rwanda, l'Éthiopie, la Libye, qui fait également appel à la Russie pour ce qui est du processus de production. Donc, en matière d'imprimerie, d'impression d'argent, les pays en Afrique varient de temps en temps. Ils peuvent envoyer une partie à la Russie, ils peuvent aller en Angleterre, moyennant une commission sur l'impression du billet. Pour ce qui est du processus de production, il est à noter la récente ouverture d'un site à Nairobi au Kenya en 2019 dans le cadre d'une joint venture avec le gouvernement kenyan en vue d'assurer une partie de la fabrication des devises. En vue d'assurer une
partie de la fabrication des devises. Donc, ça signifie quoi? L'entreprise, la joint venture qu'on a installée au Kenya, à Nairobi, a pour but de fabriquer la devise. Ça veut dire que ça peut fabriquer la livre sterling. Ça peut fabriquer juste la livre sterling. Ça ne peut pas fabriquer le dollar. Ça ne peut pas fabriquer l'euro. Donc, s'il faut fabriquer la devise, il ne peut que fabriquer la livre sterling. Par ailleurs, il convient de citer le cas particulier de la Somaliland, territoire couvrant le nord-ouest de la Somalie et ayant proclamé son indépendance, bien que non reconnu par la quasi-totalité de la communauté internationale. Celui-ci a néanmoins créé sa propre monnaie pour se démarquer de la Somalie et l'a fait fabriquer par le Royaume-Uni via la Société britannique de la rue. Le Royaume-Uni qui administrait autrefois le territoire, contrairement au reste de la Somalie, qui était une colonie italienne. Le recours à une entité extérieure. Bill Amando, il faut comprendre d'où vient la déstabilisation de l'Afrique. Parce que les gens parlent, ils ne comprennent pas. Tous ces pays, parce que lorsque tu as ta monnaie, tu imprimes. Si il faut qu'un pays voisin imprime la monnaie, hein, papa, ça sera que les faux billets vont faire comme De Gaulle avait fait avec la Guinée. Le recours à une entité extérieure peut surprendre pour une partie de ces pays comme l'Éthiopie, la Tanzanie, qui disposent d'une importante population, ou encore la Guinée-Conakry et le Rwanda, compte tenu de certains discours politiques de leurs leaders. Mais le cas le plus surprenant est peut-être celui de la Libye. Au regard de ses très importantes capacités financières largement supérieures à celles de quelques pays africains fabriquant eux-mêmes leur monnaie. Ça surprend les gens que la Libye avait plein d'argent, le Nigeria, le Maroc, l'Égypte fabriquent leur monnaie, mais la Libye faisait imprimer son argent soit en Russie, soit en Grande-Bretagne. Il faut comprendre d'où on a trouvé l'argent pour financer les terroristes qui l'ont déstabilisé. Ne vous leurrez pas. Hein? Il faut comprendre d'où on a trouvé l'argent qui a déstabilisé les Libyens. Mais le cas le plus surprenant, supérieur à celle de quelques pays africains qui fabriquent eux-mêmes leur monnaie nationale, comme le Maroc, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, la Libye étant un grand producteur de pétrole dont elle possède les plus importantes réserves du continent. En fait, cela semble démontrer une nouvelle fois le manque de sincérité de l'ancien régime de Muammar Kadhafi. Lorsque ce dernier se présentait comme le champion du panafricanisme et de l'indépendance des peuples africains. Donc, plutôt dans le cadre d'une stratégie de communication organisée par le régime, qui n'avait pas véritablement essayé de développer le pays et d'en assurer la souveraineté, les hydrocarbures représentant autour de 85% des exportations et qui avaient même souvent semé le trouble en Afrique. Tentative d'évasion du Tchad,
de la déstabilisation de la Tunisie. Et ce, probablement, afin de s'assurer la sympathie et le soutien des opinions publiques africaines en vue d'obtenir la levée des sanctions internationales et de grandir et de garantir la poursuite des règnes sans partage qui duraient depuis déjà 41 ans. Au moment du soulèvement du peuple libyen et faisant de Kadhafi le dirigeant à une grande longévité de l'Afrique postcoloniale, une stratégie de communication qui continue encore aujourd'hui à avoir une certaine efficacité. Au moins 6 pays africains importent leur monnaie d'Allemagne. Maintenant, les 6 pays africains qui importent leur monnaie d'Allemagne, en plus des pays précédemment cités, 5 sont répertoriés comme faisant imprimer leurs billets de banque en Allemagne, auquel s'ajoute la Tanzanie, qui a également recours au Royaume-Uni, ainsi qu'aux États-Unis. Ces 6 pays faisant donc appel à l'Allemagne sont les suivants: l'Érythrée, la Mauritanie, le Soudan du Sud, l'Eswatini, la Tanzanie et la Zambie. Ces dernières font aussi imprimer une partie de sa monnaie en France. Cependant, les données très partielles transmises par le fabricant allemand de billets de banque Ginskek plus Devillian D plus D G plus D qui n'indique pas dans le détail les banques centrales clients à travers le monde et à quoi s'ajoute Djibouti, la Tunisie, auquel s'ajoute la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, membre de la zone CFA. Vous comprenez, non? La Guinée équatoriale, de temps en temps, fait imprimer sa part en Allemagne, c'est le franc CFA. Et respectivement, l'ancienne colonie portugaise et espagnole, le Burundi, ancienne colonie belge, et enfin la Namibie, deux anciennes colonies britanniques. Le processus de fabrication est assuré par la Banque de France. Donc les autres pays que je viens de citer, le processus de fabrication par la Banque de France pour 17 de ces pays, tandis que 4 autres ont recours à l'entreprise privée Auberturk, fiduciaire, un des 3 leaders mondiaux de la fabrication des billets de banque, avec le Britannique de la rue et l'Allemand Ginskek Devillian. Mais là encore, le nombre réel des pays fabricants faisant appel au moins ponctuellement au service de ces entreprises françaises est probablement plus élevé. 9 pays africains fabriquent eux-mêmes leur monnaie, en dehors des 43 pays externalisant la fabrication de leur monnaie nationale auprès d'une entité étrangère. 9 pays africains assurent donc eux-mêmes ce processus, à savoir le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, le Soudan, le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Afrique du Sud. Toutefois, et sans que cela n'ait de lien avec le caractère local de la fabrication de la monnaie, il convient de rappeler
pour contrer une certaine propagande que 5 de ces 9 pays souffrent d'une forte dollarisation de leur économie. Le Soudan, le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Kenya, c'est-à-dire d'une importante utilisation du dollar dans les transactions économiques internes, par refus de la monnaie locale considérée comme risquée. Le cas du Nigeria illustre bien la principale raison de cette situation, avec une monnaie ayant perdu plus de 60% de sa valeur par rapport au dollar depuis 2014 et plus de 99% de sa valeur depuis sa création en 1973. Lorsque la livre sterling valait 2 naira contre 527 au 1er avril 2021. Cependant, l'existence d'un certain nombre de pays africains fabriquant eux-mêmes leur monnaie nationale et malgré les graves difficultés financières rencontrées par certains d'entre eux, comme le Soudan, dont la lire vient d'être dévaluée de 85% en février dernier et qui est désormais un des 5 pays les plus pauvres d'Afrique et le pays le plus endetté du continent, prouve bien que d'autres pays pourraient également assumer cette tâche. Et ceci est encore plus vrai pour ceux ayant l'avantage de faire partie d'un ensemble régional disposant d'une monnaie unique et une population suffisamment importante, à savoir les pays appartenant à l'UEMOA et à la CEMAC, les deux ensembles les plus intégrés et de loin du continent, et qui démontrent au passage que le panafricanisme est avant tout une réalité francophone. C'est ça la vérité. Vous voyez bien que les pays anglo-saxons d'Afrique, le panafricanisme pour eux, c'est quelque chose. Ils ne font pas trop confiance à ça. Donnant parole à un Africain de la zone francophone qui jugeait qu'il n'était pas normal que les pays de la zone France CFA continuent à fabriquer leur monnaie sur le territoire français. En tant qu'ancienne puissance coloniale, si ce point de vue est respectable, il est toutefois regrettable que la BBC n'ait fait nullement mention, ni en direct lors de l'interview, ni dans les textes de l'article, du fait que le Royaume-Uni produit lui aussi les monnaies de nombreux pays africains. Mais oui, c'est de bonne guerre. Vous voulez que la BBC vienne dire qu'elle fabrique aussi la monnaie des gens maintenant? Elle va continuer à pomper que non, c'est la France. Alors qu'elle-même, elle est assise sur les pays de l'Afrique australe. Voilà la vérité. Donc, lorsque les gens se lèvent pour dire qu'ils vont combattre un système, il faut savoir quoi tu combats. Parce que si tu ne sais pas ce que tu combats, tu seras manipulé gravement. Tu vas juste te rendre compte que, mais qu'est-ce que je fais même ici? Tu seras manipulé. Parce que lorsque ces pays, vous pensez que ces pays qui impriment les monnaies là, mais ça veut dire que ça finance les terroristes. Boko Haram au Nigeria, dans l'état de Bornéo,
irritant plus que l'état de Bornéo. Donc, tu vois quoi? Un gars qui habite dans l'état de Bornéo au Nigeria, entre être militant de Boko Haram et être fonctionnaire dans l'état pour avoir quelques naira dévalué, en plus que tu peux rien acheter, il part chez Boko Haram. Lui, on va le payer chez Boko Haram en dollars, en francs CFA. Il viendra faire les achats au Tchad, au Cameroun. Tu comprends? Dans cette zone. Il viendra faire les achats là-bas. Il vient dire au Naira, je m'en fous. C'est là qu'il est question. Mais vous allez entendre ce discours nulle part. Nulle part. C'est pour ça que Sankara disait, il faut que c'est le peuple qui comprenne. Et moi, je vous ai dit ça ici. Sankara disait, si le pays a besoin d'une école, tous les Burkinabés, chacun donne 100 francs. C'était la philosophie de Sankara. Si on a besoin d'une école, tous les Burkinabés, chacun donne 100 francs. Pour régler le problème. Si on a besoin des maisons des fonctionnaires, on construit les maisons nous-mêmes. On construit les maisons nous-mêmes. Attendez, il ne faut pas que je parle moi-même. Je vous mets, écoutez ce que Sankara dit, vous allez comprendre. Et c'est pour ça qu'il était gênant. C'est pour ça qu'il gênait toute la France-Afrique. La France-Afrique ne supportait pas. Les France-Africains ne supportaient pas le discours de Sankara. C'était un problème pour les France-Africains. Ils ne pouvaient pas supporter ce genre de discours. On disait que mais, si on laisse ce monsieur, il va nous gâter le gombo. Et on a donc choisi quelqu'un qu'ils ont dit, mais ton frère là, lui, il veut nous gâter le machin, il faut régler son compte. Blaise Compaoré, comme aussi un boutoukou. Sankara, capitaine de 35 ans, président de la Haute-Volta, il a pris le pouvoir par un coup d'État le 4 août 1983. Les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. Malgré son jeune âge, son engagement politique n'est pas récent. En 1980, il est secrétaire d'État à la formation sous l'avant-garde du régime avant de démissionner. Puis participant au coup d'État du dernier président, le commandant médecin Jean-Baptiste Viraogo, il devient premier ministre, est arrêté, libéré et fait le coup d'État. Sitôt au pouvoir, il veut galvaniser les foules en utilisant un langage de slogan incantatoire, tente de faire passer des mots d'ordre. Chacun doit se convaincre que c'est un changement révolutionnaire. Leur soutien. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche,
Vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler, il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut parler de vos rangs, les maris qui n'autorisent pas les femmes à aller sur le chantier. Camarades, les mauvais maris, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détournants de fonds, les voleurs, tout est maligna, tout est maligna, tout est maligna, tout est maligna. Vive la révolution, vive les capitaines de nos Sakara. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est même là aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles. Ça sera 20 dispensaires. Ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme. L'impérialisme. Le colonialisme, le néocolonialisme, le fascisme, le voleur, le paresseux, le déploreur, le mongoleur. Chaque province doit construire en effet 20 maisons pour les fonctionnaires d'ici le 4 août, les loyers étant ensuite utilisés pour les biens d'équipement. Les briques sont faites par la population avec du banco et très peu de ciment. L'État lui fournit le matériel. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Il aime à montrer l'exemple, il affectionne les gestes symboliques. Il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant. Son style, son souci du moindre détail, son attention à chaque chose, son engagement étonne et lui attire un certain nombre de sympathies. L'approvisionnement doit être rapide. Maintenant, il faut passer à la toiture. Il faut déjà passer à la toiture. Vous mieux qu'ils aient leur matériel ici. N'oubliez pas de faire beaucoup d'espace vert. Oui. Tout le long de la route là. Beaucoup d'espace vert, des fleurs, des petits bancs. Si vous voulez pas faire des petits bancs en béton là, des bancs publics. À la tête des chantiers du 4 août, il a mis des gens considérés comme peu favorables à son régime. Ceux-ci sont ainsi mis à l'épreuve, c'est une dernière chance qui leur est offerte de s'intégrer. Le chef des chantiers, c'est le camarade Kaori. C'est un ingénieur agronome, c'est ça, hein? Bon, alors un ingénieur agronome qui est mis sur ce chantier-là pour participer activement, concrètement à la révolution. Mais comme la révolution n'exclut personne, mais donne à chacun la possibilité de se faire ou de se refaire, bien lui est envoyé sur ce chantier-là. Mais voilà, il vit en parfaite harmonie avec le peuple unitaire de Pau, qui l'accepte, qui le suit et qui exécute ses mots d'ordre, preuve qu'il intègre correctement la révolution et c'est effectivement un camarade. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Au début, c'était des mots, ce n'était que des mots et une vision euphorique. Le doute avait commencé à s'installer aujourd'hui. Il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit, grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif. Pour surveiller et encadrer le chantier, un commissaire politique a été nommé. Il peut s'appuyer sur les CDR, Comité pour la Défense de la Révolution, formé surtout de jeunes très actifs.
Dès son accession au pouvoir, le capitaine Sankara a effrayé certains milieux qui le considèrent comme étant l'homme de Kadhafi, l'homme de la Libye. L'homme de la Libye, peut-être que la Libye a des hommes. En tout cas, il n'y en a pas ici. En tout cas, c'est un camp. Je suis au contraire un voltaïque qui connaît ses réalités, la misère de son peuple, et qui voit aussi comment ailleurs d'autres ont eu le courage de prendre des responsabilités. Non, pas honte de dire que nous étions avec un effet, mais pas honte de dire qu'à certains moments, il nous a aidés à notre demande, et quand certains de ses aides ne nous convenaient pas, nous les lui avons dit. Mais de là à dire que nous sommes influencés par Kadhafi, c'est absolument faux. Absolument faux parce que nous ne faisons pas ici ce que fait la Libye. D'abord, la volonté n'est pas la Libye. Ensuite, moi, je ne suis pas Kadhafi. Les volontés ne sont pas libyens. Cela est très important. Nos positions n'ont pas toujours plu. Mais nous voilà dans. Nous connaissons un dilemme. Soit telle nos positions que nous considérons comme le vrai, donc telle la vérité c'est ce que chacun de nous a sa vérité, si nous n'avons pas la vérité absolue. Donc, concernant mentir pour bénéficier des grâces de ceux qui peuvent nous aider ou de nos partenaires qui sont délicats et puissants, ou alors leur dire la vérité dans la conviction, dans l'intime conviction que nous rendons service à notre peuple et à tout autre peuple. Aux Nations Unies, nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous recevons aujourd'hui des pressions multiples, multiformes, pour orienter nos votes, pour orienter nos prises de position aux Nations Unies. Pouvons-nous nous taire que lorsque l'on agresse un pays parce qu'il est petit? Pouvons-nous nous taire lorsque l'on envahit un autre pays? Nous estimons que si nous sommes aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, et si nous ne sommes pas simplement pour compléter les effectifs et pour la foi, nous devons avoir le courage de dire au nom des peuples qui nous ont fait confiance, car il s'agit de vote, et la volonté a eu plus de 104 pays qui l'ont élu. Nous devons représenter leurs intérêts, et en particulier ces pays non alignés qui ont massivement voté pour la volonté. Nous devons quotidiennement, constamment, courageusement défendre les intérêts des non alignés d'une manière particulière, mais d'une manière générale, de tous les peuples qui s'indignent. Si nous ne voulons pas que le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies en général deviennent une caisse de résonance manipulée par quelques tambourinaires puissants, il nous faut, nous, membres, y exercer tout notre droit, même s'il est limité du fait que quelques-uns ont un veto qui est omniprésent. Nous avons donc des pressions. Mais malgré tout, une grande puissance comme la France, comme les États-Unis, comme l'Union soviétique, s'ils décident de retirer une partie de l'aide qu'ils vous apportent actuellement, peuvent vous mettre dans une difficulté, dans de graves difficultés intérieures. Mais c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de lutter contre l'impérialisme et ses manifestations. L'impérialisme, aujourd'hui, c'est que il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous, nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. La bourgeoisie. C'est pour vivre comme cela. La bourgeoisie. Nous l'avons choisi. Ils n'ont pas hésité à dire à d'autres pays, par exemple l'Union soviétique, que nous refusions une aide de l'Union soviétique qui n'était pas, de notre point de vue, à la hauteur de notre attente. Nous nous sommes expliqués et je pense que nous sommes compris. La bourgeoisie. Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par le précédent régime, ont été remplacés par des R5.
Il s'agit de frapper par des mesures spectaculaires. Le président a même décidé de faire de la Cadillac décapotable de son prédécesseur l'objet d'une tombola nationale. Ainsi, celui qui l'aura gagné pourra-t-il l'utiliser sans être soupçonné d'enrichissement illicite. Outre le capitaine Sankara, l'équipe gouvernementale est composée de militaires et de civils. Tous doivent avoir un engagement total et en particulier multiplier les contacts dans le pays. Tous les ministres civils ou militaires sont armés. Ils ont reçu une Kalachnikov que certains emportent même aux réunions du Conseil. Chacun a d'ailleurs suivi un entraînement militaire pendant quelques jours. La vigilance est de mise pour chacun dans un climat d'insécurité. Autre mesure de précaution, les lieux où se tiennent les conseils des ministres changent constamment. Ils ne sont connus qu'une demi-heure avant l'heure prévue. Le travail des ministres est chargé. Le programme qui est proposé aujourd'hui est austère, difficile. Pour toute l'équipe gouvernementale, il va représenter un effort considérable. Là aussi, chacun doit avoir ses dossiers bien préparés, bien étudiés. Le capitaine veille à l'engagement de chacun de ses ministres. La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Et nous formons quotidiennement notre peuple à les accepter. Nous savons qu'ils sont lourds, très lourds. Ces sacrifices, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités, parce qu'ils sont des privilégiés. Cela, vous vous en doutez, ne peut pas être bien accueilli partout. Ces sacrifices, nous demandons aux voltaïques de se mobiliser. Si ailleurs, si dans certains pays, on a pu détourner un fleuve, en d'autres, nous pouvons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux. Ces sacrifices, nous les imposons au gouvernement, aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent la classe touriste. Et même quand il est possible de faire voyager par les avions charter, nous faisons. Nous avons suspendu pour une longue période les brasseurs d'air, l'air conditionné dans les bureaux, etc. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs, quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes les autres indemnités. L'armée est obligatoire, mais seuls 2% des voltaïques en âge de porter les armes sont recrutés faute de moyens. En Haute-Volta, c'est une chance et un privilège comme ailleurs en Afrique que de devenir soldat. Cela assure du travail et un salaire garanti. Mieux intégrer l'armée au peuple. Nous avons donc refaisons notre service national. Au lieu de 18 mois, il sera maintenant de 12 mois. Mais au lieu d'être simple, exclusivement militaire, le métier des armes, 18 mois, et après on en engage certains, les autres sont envoyés, non. Ce sera un service où il faudra apprendre, bien sûr, le maniement des armes pendant un certain temps, une période donnée, mais une autre période, à peu près les trois quarts du temps du service, ces trois quarts seront consacrés à la production, sous l'encadrement militaire, bien sûr. Pourquoi nous faisons cela? D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple.
Il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes, car nos ennemis sont nombreux, tout le monde n'a clairement pas la révolution d'un pays, et tout le monde n'a pas entré l'âge de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité, si spécialisée soit-elle. Non, c'est le peuple qui se défend. Et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre. C'est le peuple qui décide du budget de l'armée. C'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une armée d'aristocratie au-dessus du reste du peuple. Nous voulons casser cela. Et même nos gamins, nous voulons transformer tout cela pour que l'armée, enfin, les militaires se fondent dans son peuple. Mais les militaires voltaïques auront à produire, à participer à la production agricole, plus tard industrielle, et d'une manière générale à la vie économique. Et déjà, nous enregistrons des succès, des résultats très, très, très positifs dans toutes les casernes, en répondant à un mot d'ordre que nous avions lancé il y a un certain nombre. Il y a quelques mois, les militaires se sont mis à construire des poulaillers et procèdent à un élevage des poulets qui est de plus en plus intéressant. Quelle était la consigne pour les soldats? La consigne était un quart de poulet par militaire et par semaine. C'est un minimum. Nous savons que si ce quart de poulet par militaire et par semaine est réalisé, il y a une amélioration de l'alimentation. Il y a aussi un désintéressement de cette couche de salariés réguliers que sont les militaires par rapport au marché du poulet, de la volaille, ce qui va nécessairement baisser le prix de la volaille pour d'autres clients que sont les civils. Et puis, l'effet d'entraînement, c'est que le militaire qui le fait pour lui-même, qui le fait parce que son chef lui a donné l'ordre de le faire, sera tenté de le faire pour lui-même à domicile, et puis forcément, cela fera tâche d'huile. Bon, du reste, déjà, certains militaires ont estimé que ce mot d'ordre, un quart de poulet par militaire et par semaine, n'est pas suffisant. Et ils font un demi-poulet, et il y en a même qui prétendent qu'ils feront un poulet par militaire et par semaine. Nous demandons que cela, parce que la révolution, c'est aussi vivre dans l'opulence, c'est vivre dans le bonheur, mais le bonheur et l'opulence pour tous, n'importe pour quelques-uns. Lorsque je vous parle tous les jours ici, là, les privilégiés des républiques africaines, les gens ne comprennent pas. Et lui, il avait compris ça. Hein. Il avait compris ça que l'administration, c'est les privilégiés. Quand vous prenez le Cameroun, où est un fonctionnaire camerounais qui ne produit rien? Vous lui avez une voiture de 80 millions. 80 millions. Un fonctionnaire de la République du Cameroun roule avec une voiture de 80 millions, il ne produit rien. Cerise sur le gâteau, il détourne l'argent des projets. Cerise sur le gâteau, il détourne l'argent des projets. Le même fonctionnaire. Après que vous soyez informé de ce que vous avez entendu là, quel est le pays africain qui va être à l'abri de la déstabilisation? Aucun pays africain ne pourra être à l'abri. Il suffit juste qu'on imprime l'argent de son pays. On lui monte une rébellion et le pays est déstabilisé. C'est simple comme bonjour. Il suffit qu'on te montre une rébellion, on imprime l'argent de ton pays, on donne l'argent à la rébellion. Vous pensez que l'argent que les Camto avaient, ils ont pris l'argent où? On imprime. Il suffit on imprime. Et c'est ça le résultat. Or, quand tu te mets à regarder au fond, tu te dis que mais pourquoi l'élite africaine dans son ensemble se taise face aux réalités pareilles? Mais l'élite africaine, elle se tait parce que c'est elle que le système profite au détriment de la majorité. C'est pour ça que toute l'élite africaine
dans son ensemble, se taise. Ils vont laisser le président seul aller au choc. Après les retombées de ce choc que le président a pris des décisions qui ont fait en sorte que les Américains se sont fâchés, on va venir tuer le président. La seule chose qui les intéresse, c'est qu'il faut que les Américains les mettent au pouvoir. C'est tout. Ils ne s'intéressent pas. Lorsque vous voyez la CEDEAO dire qu'il faut les élections, mais la CEDEAO n'a jamais intervenu lorsque le Mali était divisé en deux. Jamais. Le Burkina Faso actuellement est divisé en deux. La CEDEAO ne s'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel n'a plus de sens lorsque le pays est divisé en deux. Ça n'a plus de sens. Donc la priorité, c'est de remettre le pays sur pied. L'ensemble de son territoire. Mais non, les élites africaines vont vous dire, oui, il y a aussi un autre truc là, j'allais même oublier ça. Vous entendez dans la bouche des fonctionnaires camerounais et du FMI, le droit de tirage, ils appellent ça quoi? Droit de tirage spéciaux, voilà. Les DTS. Savez-vous ce que ça signifie, droit de tirage spécial? Vous savez ce que ça signifie? Oh Seigneur! Ouais. Lorsque tu commences à t'intéresser à ces choses-ci là, mais tu comprends l'escroquerie. Le FMI, pour ses besoins, retenez que Macky Sall est allé en Russie commander le blé. Mais ce blé n'est pas venu en Afrique dans sa majorité. Ce blé est allé dans les pays occidentaux. C'est la même chose avec les droits de tirage spéciaux. Écoutez-moi. Macky Sall est allé en Russie commander le blé, que les Africains vont mourir de famine. Pour cela, il faut que le président russe s'entende avec le président ukrainien pour essayer d'envoyer le blé. On a envoyé environ 60 navires de blé. Sur les 60, 7 ont pris la destination de l'Afrique. 7. Le reste, l'Europe. C'est la même chose avec les droits de tirage spéciaux. Je vais vous expliquer. Les droits de tirage spéciaux, c'est quoi? C'est que la banque, le FMI et la Banque mondiale, les monnaies de référence, c'est le dollar, la livre sterling, l'euro, le yen japonais, le rimbimbi chinois. Écoutez-moi. Lorsque la France est coincée dans son économie et que la France veut relancer un secteur d'activité, par exemple le nucléaire français, la France va venir voir un des pays, un de ses colonies, va utiliser le nom de ce pays au FMI. Le FMI va donc maintenant tirer soit l'euro, soit le dollar, ce que la France veut. Soit l'euro, soit le dollar, soit le renminbi, soit le yen japonais, soit la livre sterling, en vue d'acquérir les devises pour payer
ces choses. Soit en Chine, soit au Japon. Mais la dette sera supportée par le pays africain. Moyennant une petite partie qu'on va remettre au pays africain. Voilà le mécanisme. C'est-à-dire, lorsque nous avons découpé, on dit que merde, ce que je vous dis là, l'élite africaine, l'élite camerounaise la connaissent, ils savent ça. C'est dans le droit de se dire, mais non, non, c'est-à-dire, tu peux pas la question savoir que mais, ces gens qui nous gouvernent là, ils ont tout leur cerveau. Je dis, c'est la même chose quand on vous dit, droit de se dire, méfiez-vous, qui a demandé, lorsqu'on te dit que la France a soutenu le droit de tirage spécial du FMI pour le Cameroun. Ça, c'est qu'on nous a couraté. Ça, c'est qu'on nous a couraté. Si la Banque mondiale, si le FMI a tiré un droit de tirage spécial, par exemple, 200 milliards de dollars, ou bien 200 millions de dollars, sachez qu'ils nous ont couraté. La France va prendre les 200 millions de dollars. 62%. Les 40% restants, elle va encore saisir une autre partie des 40% restants en nous disant c'est pour que quand lorsque vous allez utiliser les 20%, on va voir comment on va vous retirer. Mais c'est ouais. C'est pour ça que vous voyez, elle est en train, elle ne veut pas que le Mali sorte. Parce qu'elle est bien, elle est sûre que si le Mali sort, le Mali va automatiquement continuer à sortir partout jusqu'au retour de la monnaie nationale du Mali. C'est ça qui est la question. On vient s'asseoir sur le plateau de télévision, on vous raconte les gros discours. Oh, les faits sont là. Les faits sont là. Aucun pays africain. Retenez une chose, dans le document que je viens de vous lire tout à l'heure, il y a dans ces pays africains 6, 9 qui impriment leur monnaie. Mais il faut bien aussi vous dire que les 9 qui impriment leur monnaie, ce n'est pas eux qui fabriquent l'encre. Ce n'est pas le pays africain là qui fabrique l'encre. Ce n'est pas le pays africain là qui fabrique le papier. Donc, ça signifie quoi? On peut venir installer l'imprimerie en Afrique. Mais sauf que on installe l'imprimerie en Afrique, mais on va te tenir au niveau de l'encre et du papier. Mais ça ne peut pas accomplir les objectifs géopolitiques. C'est pour ça que la France, au sein des casernes militaires, et ils ont une imprimerie spécialisé pour l'impression des monnaies des pays africains en vue de financer le terrorisme. Oui, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, on a bien suivi Bien-Dom qui disait que vraiment de Dieu, le problème c'est Paul Biya. Aujourd'hui, Bien-Dom, eux qui connaissaient ces histoires depuis. Maintenant, Bien-Dom se fend dans un voice qu'il est en train de dire que vraiment de Dieu, cette histoire, la France exagère. Écoutez ce qu'il dit. Il ne faut pas que je parle à sa place. Écoutez Bien-Dom qui disait que c'est Paul Biya le problème. Aujourd'hui, il a changé de bouche. Changé de bouche, carrément. Écoutez ce qu'il dit. Le terrorisme ne peut pas. On ne peut pas arrêter. Comment tu vas faire pour arrêter de financer le terrorisme? Les gars contrôlent votre monnaie. Mais ils vont toujours financer le terrorisme. Écoutons Bien-Dom. Aujourd'hui, il est contre. Bonjour.
titre d'éditorial ce matin, je vous propose d'écouter ceci. J'insiste sur ce petit audio que je veux faire, car il est révélateur de ce qu'on ne nous dit jamais. Vous savez, c'est la France qui imprime le CFA à Jean Malière, qui est dans le Puy-de-Dôme, en France. Ce que on nous cache, c'est que quand elle imprime le CFA, elle imprime une quantité pour nos États, pour notre marché, et elle imprime aussi pour ses opérations extérieures. C'est pour ça que vous pouvez trouver des rebelles, comme vous l'avez vu à un moment, les rebelles de la CELICA, avec plus de 11 000 soldats. Dites-vous, comment des chefs rebelles peuvent-ils rémunérer 11 000 soldats? Et la plupart de ces soldats ont environ 120 000 à 200 000 francs par mois. Même l'État, même nos États, ne peuvent pas financer leurs militaires qui vont sur le front pour les combattre avec cette hauteur de salaire. Et c'est tout simplement parce qu'ils ont la facilité d'imprimer ce CFA qui se permettent. Quand vous allez dans le nord du Mali, ou au Niger, ou au Burkina Faso, les djihadistes tournent avec quoi? Ils tournent avec le CFA. Et ce CFA, il est imprimé par qui? Qui leur donne cette quantité de CFA qui leur permet de payer des djihadistes à hauteur, je vous dis, de 120 000 à 200 000 francs par mois? C'est l'État français. Donc, nous finançons nous-mêmes ceux qui viennent pour déstabiliser et tuer nos États. Voilà la vérité. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas, dans un pays où ils ne contrôlent pas la monnaie, financer des rébellions. Parce que ça supposerait qu'ils aient des lignes budgétaires. Parce que chez eux, on est obligé de tout inscrire dans le budget en disant, voilà, on va peut-être implémenter 5 millions d'euros par mois juste pour la lutte, les déstabilisations de l'Afrique. Alors qu'avec nous, c'est notre propre argent qui finance les rebelles. C'est-à-dire l'argent qui est destiné à notre marché intérieur, qu'on partage une partie pour Boko Haram, une autre partie pour les ACMI et tous ces mouvements djihadistes qui sont dans le Sahel. Couper l'approvisionnement en CFA, à moins qu'ils ne fassent comme le général de Gaulle l'avait fait pour la Guinée, c'est-à-dire qu'ils inondaient avec la fausse monnaie. Mais si vous faites une vraie monnaie qui est détectable, compliquée à falsifier, vous verrez très bien que ces mouvements djihadistes ne pourront plus tenir, car la France ne peut pas se permettre de leur payer en dollars, car les Américains veillent. Ils ne peuvent quand même plus le payer en euros, parce que les Allemands veillent, et ce serait l'argent qui sera amputé sur les lignes budgétaires spéciaux, c'est-à-dire qu'ils seraient obligés de les déclarer au Parlement avec des débats qui s'en suivent pour cela. Donc ils profitent de notre naïveté, ils profitent, vous voyez, même au niveau du pétrole. Avant, les pays d'Afrique francophone, Gabon, Cameroun, Congo, n'avaient pas les moyens de connaître la quantité de barils de pétrole qui sortaient sur leur sol. Pendant plus d'une quarantaine d'années, la France les a entubés, F les a entubés, en déclarant parfois des quantités minimales qui étaient insignifiantes. Avant qu'aujourd'hui, certains gouvernements comme celui du Cameroun réagissent et mettent à côté des pompes, n'est-ce pas, le Rio del Rey. Mais avant ça, combien nous ont-ils volé? C'est la même chose qu'ils font en imprimant et en ayant la priorité sur... Pourquoi ils ne font pas le CFA dans les imprimeries privées? Ce sont des imprimeries très secrètes. Quand vous allez à cette imprimerie qui imprime le CFA, je vous assure, c'est gardé, c'est comme un bon cœur. On n'y accède pas facilement. Tout simplement parce qu'il y a des imprimeries spéciales pour les rebelles, pour les djihadistes, pour les mouvements de libération et une imprimerie pour nos États. J'appelle donc l'attention de nos frères et sœurs à distribuer au maximum ce message afin qu'il tombe entre les mains de nos gouvernants, afin qu'ils prennent des mesures qui leur permettraient, n'est-ce pas, de contrôler l'impression du CFA. Car c'est à ce niveau. Regardez même ceux qui ont été pris. Vous trouverez sur eux des CFA. Ils ne sont pas payés en Naira. Parce qu'en Naira, il faut cambrioler la banque du Nigeria. Même si quand ils vont cambrioler les petites banques, ils trouvent quoi? 1 million de Naira. C'est pas suffisant pour payer l'ensemble des djihadistes qui sont dans Boko Haram. Et vous voyez, ces gars ont leur salaire. Ils sont bien payés. C'est pour ça que certains Camerounais s'y retrouvent, certains Tchadiens s'y retrouvent, certains Nigériens s'y retrouvent, parce qu'il n'y a pas de travail dans leur zone. Donc ils préfèrent rentrer dans les mouvements comme Boko Haram où ils sont payés à 200 000 francs de salaire. Et comment peuvent-ils payer 200 000 francs de salaire quand même un État
comme le nôtre ou les autres du Tchad, du Niger ne peuvent pas donner ce type de salaire. Donc la France se sert du fait qu'il imprime notre argent, qu'il a le secret de ce qu'il imprime comme quantité d'argent pour le distribuer. Vous savez, il y a des avions, hein, la nuit, il y a des pistes, puis il y a des avions qui sont capables d'atterrir dans les pistes même tracées la nuit dans le Sahel ou bien dans le désert. Ça, on l'a vu, des livraisons nocturnes, que ce soit en armement, que ce soit en produits spéciaux. Car ces gens ne tiendraient pas, ils ne pourraient pas tenir s'ils n'avaient pas ce financement. Parce qu'entretenir 10 000 drogués, ce n'est pas la même chose qu'entretenir 500 personnes. Je vous remercie, c'était Pierre Ndong. Madame, Monsieur, chers auditeurs, les grands pays, je parle bien des grands pays, et quand je parle des grands pays, je parle des États-Unis, je parle de la Grande-Bretagne, je parle de la Russie, sont certes toujours à la chasse des ressources partout ailleurs dans le monde, mais pas assez minables comme la France pour s'accrocher à des petits peuples comme des sans-profits pour faire vivre la France. C'est minable pour un pays comme la France. C'est minable, honteux pour un pays comme la France de vivre comme un sans-profit sur la monnaie des pays africains. Le monsieur qui parle, c'est Pierre Ndong. Le même Pierre Ndong, dont Pierre Ndong connaissait le mécanisme. Mais le même Pierre Ndong était ici là en 2018. Il faut qu'on bombarde le palais et tout dit. Paul Biya, c'est un dictateur, vraiment de Dieu. Mais aujourd'hui, écoutez Pierre Ndong. Et voilà qui parle. Il était installé en France. Il avait une radio en France. Membre du Parti Socialiste Français. Il connaît tous les secrets. Donc, dès qu'il a commencé à parler, on a commencé à les menacer. Il a fui le parti resté à Lisbonne. Aujourd'hui, je vous dis qu'en 2018, il disait qu'il faut bombarder le Cameroun. Vraiment, il dit Paul Biya, c'est un dictateur, il faut qu'on le bombarde. Mais tout en connaissant que le système, voici comment ça marche. Aujourd'hui, il dit, aujourd'hui, il dit, grâce au président camerounais, écoutez-moi, j'ai travaillé dans une compagnie pétrolière au Cameroun. J'ai travaillé dans une plateforme pétrolière au Cameroun, dans une entreprise. Lorsque tu pars en mer, la plateforme pétrolière est à 100, la plateforme pétrolière est à 100 mètres du bateau. À 100 mètres du bateau. Mes chers amis, vous voyez donc, quand je dis qu'elle travaille dans une plateforme pétrolière, ni ma femme, ni ma fille ne croit pas. Ils ne savent pas qu'elle travaille dans une plateforme pétrolière. Ils ne savent pas. Elle travaille dans une plateforme pétrolière. Je peux te décrire comment est la plateforme pétrolière, le Moudi. Ça, c'est le bateau qu'on appelle le Moudi. La plateforme pétrolière de Pérenne, peut-être travailler là-bas. La plateforme pétrolière est à 100 mètres du navire de stockage. Parce que c'est Perenco qui avait le plus grand bateau de stockage de pétrole brut. Lorsque, à l'époque, Pecten, Elf, qui est devenu Elf, qui est devenu Total après, lorsque toutes ces entreprises produisaient le pétrole, c'est dans le bateau de Perenco qu'on venait stocker le pétrole. Je sais de quoi je parle. Le pompage, lorsque maintenant le bateau, quand un bateau accoste à la bouée basse pour pomper le pétrole du bateau de stockage et le tanker qui est amarré à la bouée basse, ce sont les hauts cadres, les directeurs, les ingénieurs de production qui connaissent les vrais chiffres. Le petit douanier, écoutez-moi bien, hein, je parle pas toujours en l'air. Le petit douanier camerounais qui est là sur la plateforme attend
que les responsables de Perenco viennent lui dire on a embarqué tel nombre de mètres cubes. Puisqu'il ne connaît pas comment on jauge le bateau, comment on jauge la quantité. Il ne connaît pas. Quand le bateau arrive, plus il prend le pétrole, il verse l'eau. Il sort le bateau. L'eau qu'il a pris, c'est pour équilibrer le navire. Plus il prend le pétrole, plus il déverse l'eau. Maintenant donc, pouvons faire donc les mesures. Il y a donc les jauges avec du mercure qu'on pousse dans des tubes. Il y a le mercure dedans. Avec ça, on peut faire les calculs dans la cabine. On te dit voilà, le bateau a déversé telle quantité d'eau. Le bateau a pris telle quantité de pétrole. On va dire ça à partir des relevés du mercure. On va faire les calculs. On va te dire la quantité exacte qu'a pris le bateau en termes de cubage. Mais le petit douanier qui est là ne connaît pas tout ça. Maintenant, Paul Biya, comme il est toujours intelligent, la plateforme que vous voyez là à Cribi, il a exigé qu'on installe les pompes directes qui vont lire que le douanier va juste venir regarder la pompe, il va dire qu'ils ont pris telle quantité de litres de pétrole brut, telle quantité de barils qu'ils ont pris. Donc, au Rio des Ré, qui est là à Cribi, on a installé des pompes avec les écrans. Donc le douanier, c'est moi, là, il vient regarder, il pointe la quantité. Il n'a plus besoin de quelqu'un. Or, les anciennes plateformes, le Moudi, là-bas, c'est la cata. On ne connaît pas. On va te dire, pour installer ça, ça va coûter plus cher, ça va coûter le prix d'un bateau. Puisque le pompage s'effectue sous le bateau. Puisqu'il y a un pipe qui passe, qui quitte du bateau pour aller vers la bouée base. Et c'est là-bas où le bateau est accosté à la bouée base. Paul Biya, là, à Rio des Ré, il a changé. C'est pour ça que nous, on le soutient. Papa, on a vu de nos yeux que le père là, s'il n'est plus là, on va avoir que des aventuriers qui viendront pour s'enrichir. Que Dieu nous préserve. Si Paul Biya ne choisit pas son successeur lui-même, on est foutu. Parce que nous avons là au Cameroun plein d'aventuriers qui veulent à tout prix avoir le pouvoir pour vendre le pays. C'est leur seul souhait. Regardez la capacité qu'ils ont d'utiliser l'argent de la ligne 65 et la ligne 94. Vous allez comprendre à qui et à quoi on a affaire. Bonsoir et bonne soirée. Donc personne ne doit plus vous dire que les pays africains sont mal partis tant qu'ils ne vont pas avoir le contrôle sur l'impression de leur monnaie. Ils ne vont pas s'en sortir. T'appelles après le journal ou bien t'appelles maintenant. Oui, allô? Ouais.
papa, on ne dit que la vérité, non? Attends, d'abord, j'arrête d'abord nous direct. J'ai fini.